La bibliothèque de Semur-en-Auxois vous présente Le Corbeau et les trois poules de Patrick Pack, écrit en 2013 aux éditions Point de Suspension. Cet album est plutôt destiné aux petits et peut être présenté sous forme de scénettes pour, par exemple, occuper les soirées. La cour d'une ferme, il y a trois poules qui cherchent des graines à picorer. Une poule blanche, une poule grise, une poule rousse. Au même instant, elles aperçoivent un fromage. Elles commencent à se disputer. Je l'ai vue la première. Non? C'est moi. Il est pour moi. Alerté par le tumulte, un corbeau vint se poser. Hola, mesdames! Quelle vilaine chamaillerie! Pourquoi vous disputez-vous? Nous ne pouvons pas décider laquelle de nous trois doit emporter ce fromage. Aidez-nous, maître Corbeau. Ce fromage doit revenir à la plus courageuse d'entre vous. Alors les poules racontèrent leurs exploits. C'est moi la plus courageuse. Je me suis aventurée dans des contrées sauvages où nulle poule ni corbeau ne sont jamais allés. Un jour, fatiguée, j'ai voulu me reposer dans une grotte. C'était l'antre d'un abominable monstre des cavernes. À peine franchi l'entrée, il s'est jeté sur moi. N'écoutant que mon courage, j'ai fait deux, trois prises de judo, karaté, kung-fu. Il était terrassé. Puis, je suis rentrée à la basse-cour. Moi, j'ai accompli un exploit plus extraordinaire encore. J'ai construit une fusée intergalactique. J'ai voyagé dans l'espace, accroché des soleils flamboyants, croisé des astres étranges. J'ai découvert une planète où vivent des poules extraterrestres qui voulaient que je devienne leur reine. Par modestie, j'ai refusé et je suis rentrée à la basse-cour. Tout cela n'est rien. Un jour, alors que je marchais dans le désert, j'ai découvert une baleine. Échouée sur le sable. La pauvre bête était à demi morte, desséchée par le soleil. Je l'ai tirée et transportée jusqu'à la mer. Elle était très lourde, mais j'ai réussi et je lui ai sauvé la vie. Pour me remercier, la baleine m'a invitée à faire un long voyage. Nous avons découvert les trésors des pirates, dompté des monstres marins, chanter avec les sirènes. Puis, je suis rentrée à la basse-cour. Mesdames, je suis fort impressionnée et en grande admiration devant vos exploits sans pareil. Il m'est donc impossible de vous départager. Ne voulant pas commettre d'injustice, je ne vois qu'une seule solution.
Je vais manger moi-même ce succulent fromage en repensant à vos histoires extraordinaires. Un peu plus loin, il s'installe pour dévorer le fromage et médite sur la phrase. On perd son repas du soir à trop raconter d'histoires. Mais il ne voit pas le renard qui s'approche. Mais ça, c'est une autre histoire.